Je retourne juste ici pour récupérer des trucs. Oh, oh ZP, ça m'a fait peur. Oh, mais que je l'aime, cette odeur de la peur. C'est un loup. Meuf. Oh là, je lui tirais dessus, je m'en bats les couilles. Bien ta mère. Oh, oh, il m'attaque. Oh, le chien. Oh, le chien. Oh, il est chaud. T'es chaud, t'es chaud. Bien chaud. T'es où, Rouya, t'es où? Bien. Oh, ils ont coupé la lumière. Oh, j'esquive trop bien, Rouya. T'arrives pas, hein? Viens, viens, viens. Viens, Rouya. Viens. Viens. Viens, ta mère. Viens, ta mère, meurs. Viens, meurs. Oh là, il a trop peur. Voilà. Et le mec qui me fera manger de la soupe, il est pas né. Salut Salem, les frérots et les sœurettes, et aujourd'hui on est sur de retour sur Alan Wake 2, le jeu événement de l'année, et on va continuer sur la suite de l'aventure, hein. On avait déjà bien avancé, et là on va continuer ensemble bien sûr, toujours dans une bonne humeur, toujours tranquillement. Donc allez vous chercher une petite boisson fraîche, une petite boisson chaude, hein. En ce moment il caille, vraiment en ce moment il caille, t'as les fous, hein. En ce moment il caille vraiment, donc posez-vous tranquillement derrière, en dessous d'un petit plaid, en dessous d'une couverture, et on va continuer ça ensemble. On a, pour ceux qui ont raté toutes les cinématiques du début là qu'il y a eu, vous pouvez les voir dans l'épisode juste avant, hein. Il y avait vraiment tout ce qui allait. Par contre, là, j'ai vraiment plus de santé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un petit truc de santé. On va soigner. Oh là, on se soigne. Habibi, Habibi. Je vais jeter un coup d'œil. Il parle, on va écouter un peu ce qu'ils disent. Je trouverai peut-être des indices. L'eau a disparu très soudainement. La voiture n'est pas garée. Je me demande s'il y a un rapport avec l'amalgame. Prenez vos affaires. Et on y va. Y a pas d'affaires, lui. J'ai juste besoin d'un petit instant. Oh, mais ce qu'est Alan Wake. Je n'imaginais pas revoir cet endroit. T'es dans un cul, hein. Votre temps. Y'a de la boue partout. Sachez que ces bois sont du genre dangereux. Ouais. Donc on va faire un petit tour. On va voir ce qu'on trouve. Si on trouve pas des choses très intéressantes. Je pense que là, pour l'instant, le premier chapitre, là, c'est vraiment, y a pas des choses de ouf à trouver. Y a quelques ressources, quelques trucs. Mais je pense que par la suite, ça va vraiment... Si vous repérez des pages de manuscrits, vous devez les prendre et les garder. Nos vies pourraient en dépendre. Ah ouais ? Ce sont des informations cruciales. Ok. Wake, on est au courant pour les pages. On va tenter de les retrouver. D'accord. Très bien, laissez-moi un instant. Tout va bien. Donc on va voir si on trouve pas des choses ici. Ouais, il y a un cerf mort. Ah, le cerf, il s'est fait grailler, hein. Ouais, il a mangé comme un puni, hein. Je t'ai fait grailler, hein. Hein, mon petit. Ouais, ils l'ont mangé, ils l'ont dévoré, mess. Donc là, on voit si on trouve pas des choses intéressantes. Ici, je vais mettre la petite cam, hein. J'ai oublié. Désolé, excusez-moi. Moi, ils viennent me suivre pas, les deux bouffons, là. Ils me suivent pas. Ouais, je dois chercher des bails ici, alors. Voilà ce qui se passe ici. Voilà s'il n'y a pas des trucs à trouver ici. Rien, hein. Ça c'est tout le lac, hein. Avant il y avait un grand lac ici, hein. Vous voyez ici là, avant il y avait un grand lac ici. Et il reste plus rien. Un coffre fermé. C'est quoi ça, le coffre, c'est là? Symbole de la secte de l'arbre. Symbole de la secte de l'arbre. J'ai pas compris. Ok, hop, hop, hop. Des notes et des munitions. Ça y est. Ce sont leurs outils de travail. Wouah, une sacoche. Oh, heureusement. Heureusement, j'ai fouillé. Les rouillettes. Heureusement que j'ai fouillé. Parce que là, j'aurais pas trouvé ça, cette sacoche-là, non. Mais pinaise, j'ai ciré dans la merde. Heureusement, j'ai fouillé. Par contre, je sais pas vraiment si là où je vais, là où c'est... Où suis-je? Qui suis-je? Apparemment, là, il y a Walou, hein. Après, là, on a la sacoche, trop important, frère. Tu peux la rater, c'est ça le pire. Tu la rates, ça te met dans la demeure, mon gars. Vous avez vu, les guys? C'est quoi, sa page manuscrite? Ouais, j'ai plein de trucs, en fait, à trouver, hein. Il me les lit pas, notre connard, là.
Ouais, Marlénon et Cliff, rouillant. Il était sur la piste de l'écrivain depuis toujours. L'écrivain qui détestait. Hemingway, Bukowski, Wake. Je t'aurai, je te trouverai, je te ferai payer. Tu ne t'en sortiras pas, tu ne t'en sortiras pas. Il descendit dans les tunnels, depuis la ville, jusque dans l'océan de ténèbres. Prochain arrêt, station Caldera Street. Quelque chose, une présence gronda. Ce n'était pas un train. Des ombres glissèrent sur la plateforme. La secte de l'écrivain l'attendait. Là-bas, la secte du mot. Il y a la secte de l'arbre et la secte du mot. Il n'y a pas la secte aussi du zboub. Un adepte se pencha vers lui. Je porte ces mots tout contre mon cœur. Interdiction d'aller dans le lac sans son autorisation. Oh. Il avait été pris. Assassiné. Il l'avait eu. Et pas vraiment. La haine l'avait fait renaître. Il était là, comme ressuscité, envoyé pour trouver l'interrupteur, surgissant du lac qui n'en était pas un. Ouh, il y a une autre page aussi? C'est quoi ça? Oh là 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 là. Oh là là, rouillant. Il est chaud, Alan Wake, hein. À faire mon classe. Matt Kingel disparaît pendant 13 ans. Réapparaît mort, avant de se transformer en monstre. Une fois Nightingale arrêté, un écrivain qui a également disparu il y a 13 ans réapparaît. Eh ouais, ma cousine. Mais quel est le lien? Le lien? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que cette affaire? Qu'est-ce donc cette affaire? Je trouve vraiment pas quoi faire. C'est vraiment très dur à trouver. T'inquiète, cousine. T'inquiète pas, cousine. On va faire un profilage. Y a un profilage, là? Y a pas de profilage. T'inquiète, on va trouver ce qui se passe. Ne stresse pas. BDG est là pour t'accompagner. Ouah, ça, j'avais pas ramassé, ça. Oh, encore des ressources. J'aime trouver une... Voilà, je sais plus le nom. Comment ça s'appelle, le truc là que t'allumes? J'ai trouvé un... Je peux faire un demi-tour comment? En appuyant rapidement vers l'arrière deux fois. Continuez. Ça marche pas, en votre bail. Hein. Ah, comme ça. Oh, 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 oh. Vous avez vu le demi-tour que je fais, les gars? Je suis trop fort. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est quoi, ça? On a déjà fait, ça. On avait mis le bail ici, là. Ah, bah, ici, en fait, il n'y a rien. En fait, je retourne juste ici pour récupérer des trucs. Ah, ah, ça m'a fait peur. C'est un loup. Bref. Voilà, je lui tirais dessus, je m'en bats les couilles. Bien ta mère. Oh, oh, le chien. Oh, le chien. Oh, il est chaud. T'es chaud. Bien chaud. T'es où, Orouya? T'es où? N'oublie pas d'utiliser l'abri pour vous récupérer la santé. Viens, Wamkharam, viens. Viens. Ouah, ils ont coupé la lumière. Ouah, j'esquive trop bien, Rouya. T'arrives pas, hein? Non. Viens, hein, Rouya. Viens, t'en meurs. Viens, meurs. Viens, imbécile. On est à trop peur. Voilà. Se transforme en monstre. Voilà, donne-moi Haja maintenant. J'espère que tu vas me donner quelque chose, Arcouillon. Il me donne rien. Varve. Voilà, j'ai dépensé Wahad, je sais pas combien de balles. Pour qu'à la fin, il me donne rien. Mais c'est un enculé, lui. C'est un enculé, lui. Alors, donne-moi de la vie. Je me nourris du soleil. Ah ouais, parce qu'il y avait Haja ici. Ah ouais, c'est pour ça. Donne-moi des balles. Voilà, 10 balles. Oh, j'ai des balles. C'est quoi ça? Manuscrit. Encore, faut que je lise. De retour à Winch Laden. Saga pointant sa lampe torche sur l'étrange substance noire. La substance que Nightingale avait laissée à la mort, quelque chose était caché dessous. Elle prenait à voir, elle peinait à voir. Le contraire des deux taches solaires dans ses yeux, plus sombres que sombres. Soudain, un changement. La lumière réagit à la substance. Une boucle de rétroaction lui parcourra son dans le bras. Saga serra sa lampe torche, espérant qu'elle traverserait la matière sombre qu'elle la brûlerait. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui. Oh là là. Elle est la substance. Ça y est, j'ai tout trouvé en fait ici, non? Vous pensez qu'il y a encore des trucs? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y a un jeu ici, non?
Ah, je crois que j'ai tout trouvé, non? Je sais pas. Rien. Bon, on va aller, on va faire la suite de l'histoire. Bord de l'eau, Condrenek. Oh, une caméra et tout. Il y a un truc écrit ici. Oui, il y a un truc ici. Un poème? Ou une devinette? Un oiseau pour la lumière et deux pour le noir, trois oiseaux pour la guerre et quatre pour la bagarre, cinq pour une blessure, six pour une meurtrissure et sept pour la fin, quelle soit joie ou chagrin. Il y a un système, je crois, ici, non? Ah ouais. Il y a un système ici. Ouais. Regardez. Il doit y avoir un système avec des trucs à placer. Oh ouais. Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. Un système avec des poupées. Qu'on doit placer, je pense. On lit les trucs. Un oiseau pour la mer. Lumière. De... Ah ouais, d'ailleurs, c'est passé quelque chose. Quelque chose qui semble différent. Ouais. Je devrais fouiller. Ouais, ouais. Une breloque. Oh, trop mignon. Ça irait bien sur le bracelet que Logan m'a fait. Les attaques déséquilibrent les ennemis plus souvent. Ah, oh, une breloque. C'était... étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres comptines. Oh. Vous voyez? Ah, j'ai débloqué une breloque. Tout ça, c'est secondaire, hein. On récupère leur couille, hein. Tout ça, c'est secondaire, hein. Ouais, je suis encore heureux. Je me taille. Lâchez-moi. Arrêtez de m'embêter. Hey, il veut pas me lâcher, hein. Ouais, voilà. Bande de fou. Je les ai fumés. Comme ça, là, ils m'attaquent sans raison, là. Oh, laisse tomber. C'est quoi cette arme? C'est trop bizarre. C'est le truc, c'est pas le truc qui réparait le gars, là, du... FTC ou la FBC, non? Oh, c'est ça, hein. C'est ça qui fait ce bruit, là. J'ai remarqué une anomalie. Une alerte, hein. Ici, on avait récupéré, ici, je crois. Hein. Ouais. Il y a une alerte, elle est ouf, hein. Putain, catastrophique. Le truc qui est venu pour le réparer, c'est pire qu'avant. Ça lui ouf. Hein. Voilà, on est arrivé. On va pouvoir clôturer. Chapitre, c'était que d'exploration. Bien sûr, on peut y aller, vas-y. Allez, on se barre. On se barre d'ici, grand. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Il va disparaître.
On se fera attaquer, je pense. Salut, maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. T'as vu, elle a glissé dans l'eau, elle s'est noyée. Passe le téléphone à ton père. Je savais, hein. Okay. C'est pour ça que Rose a lusé ta fille quand papa, s'est noyée. C'est maman. Elle l'a vu. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. Elle aurait pu se noyer, t'as vu ? Pourquoi elle avait dit Rose. Ah oui, je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais, et toi ? Tu vas bien ? T'as l'air stressée. Elle est stressée. Hein. Elle est tendue. Jusque l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Et tu veux dire au revoir à Logan ? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Bizarrement, quand elle parle avec eux, les autres, ils ont aucune interaction avec elle. En mode kahwa, hein, avec Alan Wake derrière. Classe, hein, je rappelle que celui-là à gauche ou à droite, selon votre écran, bah c'est le gars qui a fait Max Payne, le premier, là. Sa gueule. Et celui-là aussi, créateur de jeu. Créateur, scénariste, tout, quoi. Parce qu'il y a Alan Wake, il a la tête dans le cul. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, monsieur Wake ? Vous êtes parti depuis longtemps. Non. Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez ? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. Ah. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages ? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, monsieur Wade ? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Skin. Comme un cauchemar. Un chikapim scan. Ça n'a aucun sens. Du sang. C'est du sang, c'est du halib. Ah, c'est du sang. Avec sa gueule, c'est la gueule qui fait. Je me souviens. Tout me revient. Un flashback. Oh, oh yo, 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 yo. Wesh, wesh. Oh, between. Alan Wake, Alan fucking Wake. De tous les temps. Il est ici pour nous parler de son dernier livre. Oh, 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 et comme toujours, notre au cœur de la nuit. Oh, j'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. Alan Wake. La mission était-elle passée? Regarde, c'est ce que met le policier. Et regardez ça. Hein. Regardez là. Vous vous souvenez d'eux là? Vous voyez, il y a le premier là. Lui c'est Odin. Et lui c'est Thor.
C'est deux personnages du premier Alan Wake. C'est un groupe de musique, en fait. Étrangement, la télé semblait m'attirer. J'avais besoin de toucher l'écran. Touche l'écran, Rouya, touche. Tu veux toucher, touche. Wesh. Waouh, c'est trop bien fait. Putain. C'est une dinguerie, hein, l'image réelle comme ça avec des acteurs. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh, Rouya, j'allais chercher des trucs, moi. Oh Alan, content de vous revoir, Alan. Waouh. Je suis vraiment ravi. Trop soyez bien fait, hein. Merci. Suivez-moi, incroyable. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Wouh. Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants. Plus un mère sans voix en VF. Est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman. Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Oh, on peut y rester 12 ans dans la pièce, le bâtard. C'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Departure, premier jeu. Vous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis l'heure. Ouais, le quatrième mur, il est ouf. C'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'océan, en plus, l'océan, c'est l'ombre noire. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'ait été écrit par votre... Oh, quel jeu d'acteur! En plus, c'est vrai, en plus. Jouer son rôle jusqu'au bout. Parce qu'il y a une mimique dans le monde réel. Que le monde du livre s'entremêle au nôtre. C'est très méta, tout ça. Ah, c'est méta de ouf, ce jeu. Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Tuerie, ce jeu. Piégé dans un cauchemar, meilleur jeu d'horreur de l'année. Il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double sépulcral. Et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. Oh. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix. Matrix. Parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain. Je rappelle, Matrix, hein, juste pour info. À la base, c'est les sœurs Wachowski ou Bukowski, les frères, excusez-moi. Et maintenant, c'est les sœurs. Parce qu'ils ont fait une transition, ils sont devenus des femmes. Prisonnier. Et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Oh! Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? C'est une dinguerie, le jeu, putain. Comment c'est complexe à comprendre, mais... Bon, c'est méta de ouf. Je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série. C'est le nom du café dans la ville. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière. T'es un gars bizarre, toi. Toi, t'es un gars bizarre. Me laisse penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Oh putain. Ah, le jeu, bon, ici. On est incroyable. Putain, il fait trop noir, wesh. Ah, j'ai même pas le temps de récupérer les trucs dans notre bail, là. Je suis zaf. Waouh, comment c'est beau, les plateaux et tout. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi.
auprès d'Alice. Alice ? Alice, c'est son gros fiac. Même moi, j'ai envie d'entrer près. Qu'est-ce que c'était que cette interview ? Chez moi, près d'Alice. C'était une blague. Même moi, j'ai envie d'être près d'Alice. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Regardez ça. Et vous voyez, ça, c'est le groupe, là. Les vieux dieux de Asgard. C'est le groupe, là, qu'on voyait Odin et tout. Et eux, on les avait vus dans l'asile. Il y a le médecin, là, qu'ils avaient enfermé. Je fais des références au premier, mais c'est pas besoin d'avoir vu le premier jeu, hein. C'est pas... Vous avez raté quelques refs, mais c'est pas, on va dire, un truc de ouf. Moi, le premier, je l'ai même pas fini, j'ai vu une vidéo sur YouTube. J'ai détesté le premier. Le gameplay, j'ai détesté. L'histoire, elle est incroyable, mais le gameplay... Des rafales d'ennemis, tu dois défoncer 15 ennemis. Oh là là, mon dieu, j'ai pas pu tenir. Après, le premier, il est très très vieux. Hein. C'est vraiment si... Vous l'avez pas fait à l'époque, c'est dur de le faire maintenant. Ça, c'est la sortie. On va voir, il y a quoi dans les autres salles. Les Old Gods of Asgard. Ce nom était familier. Bah oui, tu les as vus dans l'asile, là. Imbécile, là, t'étais là quand ils étaient dans l'asile de Lot, là. Tu t'es échappé. Je sais mieux que toi, je suis pas Alan Wake et je connais mieux l'histoire d'Alan Wake. Oh lolo, Alan. Pas très fut-fut, hein. Mais Skane a tout oublié. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Fouille, s'il y a rien, là. Aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Interpretation of many worlds. Mon interprétation de nombreux mondes. Docteur. Casper Darling. Ok, là on n'a rien trouvé d'intéressant. Là je pense pas que c'est la sortie là. Ah c'est belle là. Si c'est fermé. Fermé à Roya. Je cherche autre chose. Le code, comment tu connais le code moi? Hé hey hey, donnez-moi le code. Fermé. Ouvrez. Je vais devoir trouver le code moi-même. Tu veux que je trouve le code? Oh, y'a pas là. Le code. Ce qui était marqué sur le mur. On va voir si ça marche. Apparemment, c'est ça. C'est mis de manière subtile, hein. C'est ça qui je kiffe. Oh, c'est une tuerie, vraiment. Les jeux comme ça où on te lève, franchement, c'est... Incroyable. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. On va regarder la télé. Ah, j'aurais pu appuyer, j'ai pas appuyé, il me l'a sauté. Pas grave. Transmission brisée. Oh, il y a une fuite là. Wesh. J'étais wow. Tout seul dans le studio. Je suis pas tout seul. Je suis un membre de ma clique, on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul. On dirait moi quand je mets ma lumière rouge. Attaquer. On m'a fait du sang. Oh Allah, c'est quoi ça? Ah, c'est juste de Shaitan ça. Nah, du billem, le Shaitan et le Jim. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. T'es genouné, toi, t'es un gars bizarre, Alan Wake. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgir, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Ah ouais, bah, c'était ici qu'il t'a enfermé. Pendant 12 ans, il écrit ici un rouillon. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. J'en étais leur auteur. Oh, yo. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire.
Oi. Le grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Oi. Écrire pour fuir. Ah, c'est pour ça qu'il a écrit. En fait, quand il écrit, regardez mon costard, il est classe. Regardez. Ça, j'arrive pas à le. Regardez, vous le regardez comme ça. Ça, c'est costard d'édition de pigeon de luxe. De l'axe. Se remettre à écrire. Oh, je suis un esclave ou quoi, Arcouillet? J'ai envie d'écrire, j'écris, je suis pas à l'école. Laissez-moi tranquille, merde alors. Moi, je vais écrire, c'est bon. J'avais peu de souvenirs. Mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce. Comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau. L'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. Comment c'est bien fait ? Oh, c'est ouf. Je débloque, un sujet me fait débloquer. Remedy, c'est les derniers encore. Oh, aïe. Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Eh oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustre auteur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti. Partir du studio de l'émission. Je peux pas sortir en rouillant. Wouah, c'est une dinguerie comment c'est fait. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui? Ah, c'est lui le créateur du jeu en plus. Vous imaginez comme ça? Beau gosse, hein. C'est très pour très le physique que je lui avais imaginé. Il fait son De Niro. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens, et je... Je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Je l'aime trop, Dimitri. Ouais. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. Oh, c'est Rorschach, coucou. Elle manquait de sommeil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet entend la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange, la seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, putain. Putain, c'est là que tu vois la patte remédier à un truc. C'est beau travail, Sam. C'est très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. J'aime trop quand il fait sa gueule comme ça. Stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Oh putain. C'est un truc de ouf, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Moi, je kiffe, je comprends pas vraiment comment on peut pas kiffer ce jeu. Vraiment, c'est incroyable.
Incroyable. C'est rare des jeux où tu trouves des jeux comme ça où ça raconte un truc. Où vraiment, t'as vraiment l'impression de faire partie de l'histoire. C'est... Même t'as fini le jeu, t'as pas tout compris. Tu dois regarder une vidéo pour tout comprendre. C'est incroyable, vraiment. Je pense que c'est... Si vous aimez le jeu vidéo, vous allez aimer ce jeu. Je pense. Surtout si vous aimez les jeux d'horreur. Donc, il y a quoi ici? Toujours par... Le code a changé, regarde. Ils mettent le chiffre 6 et 5. Non? 5, 6, 5. 5, 6, 5. Voilà. Ils sont dans le code 5, 6, 5. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Toujours même livre. Ça, 5, 6, 5. On va taper le code. 5, 6, 5. Wow, wow, Kamahuya. Faut que je me barre d'ici maintenant, mais faut un... J'ai pas de pistolet, j'ai pas un pistolet, il me faut un pistolet. Il y a dans le jeu de contrôle, il y avait toujours. Oh non, non, faut pas que je passe par ici, je pense. Faut prendre la sortie là, la grande sortie. Ah, c'est fermé. En fait, il va mettre en boucle, je crois, ça, à chaque fois ici. Allez, pars. Ouais, j'ai réussi. Bonjour. Comme je disais, il y avait un homme de ménage toujours dans les jeux de Remedy, même dans Control. C'est un personnage récurrent. Et comme c'est dans le même monde, je sais pas s'ils vont le mettre. Toilette. Aux toilettes, on va se retrouver aux toilettes. Il chante. Tout ce qui chante. Ouais, je t'ai cru que t'étais maître Gims ou quoi? Tu chantes. On a carte. You. Mais non, c'est le même homme de ménage que Control. Ha ha ha! Dieu merci, vous voilà. Je l'aime trop, lui. Oh, comme quoi, il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. Je vais chercher un sortie. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que... Pourquoi il appelle Tom? Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe. Qu'y a-t-il au sous-sol? Pardon, mais on se connaît. On s'est déjà vu. Vous aussi, vous êtes coincé ici. Vous vous rappelez Artie, le concierge? On ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas, Tom. Le soleil brillera, même à travers les plus grosses brindilles. Mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long, une fois commencé. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez, et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte aux chaussures, au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous savez comment je peux m'enfuir? J'ai trouvé un moyen de quitter l'entonnoir. Vous pourriez m'aider? Celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir,
Mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là où le cœur est. Je pense beaucoup à ça, en lavant le sol et en regardant la flaque. Quelle flaque ? L'eau est la mémoire du monde. L'eau trouve son chemin. Le concierge était un peu bizarre, mais il semblait gentil. Et il donne des conseils, mais... Que le sous-sol serait mon salut. Il donne des conseils, mais je peux pas comprendre comme ça. En plus, l'eau, ça a été prouvé, vous savez, par des scientifiques. Que l'eau, elle a une mémoire. Renseignez-vous, vous allez débloquer. Des fois, je regarde des études scientifiques. Ça a été prouvé que l'eau, elle a une mémoire. Oh la teuf. Oh la teuf, oh la teuf. Clé du sous-sol. Attends, on va voir ça pour autre chose. Il y a une porte là. Ouais, je vais me faire attaquer là, non? Ah, en fait, c'est la porte de tout à l'heure, ok, qui était bloquée. Et là, on doit aller au sous-sol. Oh, la musique a fait flipper. Hein. Oh, la musique, elle fait flipper. La musique, elle fait péfli. C'est quoi, ça? Ah, ils me disent la lumière. Je trouve un moyen d'allumer la lumière, je pense. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. C'était ça que le concierge m'avait laissé? C'est lampe rouillée, on dirait la lampe dans Harry Potter qui a Dumbledore. La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière. C'est une lampe pour déplacer la lumière et ouvrir la voie. Wow. Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voix s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Je sentis un autre élan dans la lampe. Je pouvais la rallumer. Ouais, mais il galère, là. Ma lampe, c'est... Oh, c'est une dinguerie, ça. Rejoignant la lampe de la pièce. Voilà, le game design de ouf. C'est quelque chose dans le noir. Wow, le game design de ouf. Oh. Trop fort. Bon, comment c'est fait, une page de manuscrit là, ouais. Même pas. Ah ok, s'il y a rien en fait, j'allume le mire. On va maintenant un vrai endroit. Ah ouais. C'est ouf, hein. Ah ok, faut que je vienne ici pour allumer. Et là donc y a rien. Mais je monte, y a quelque chose, je monte. Aïe 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 aïe, on retourne en arrière. Wesh,
plus de lumière. Oh là là, ils m'ont tout enlevé. Ah, je suis perdu, je suis où? Ah, il fait trop noir, mais. L'encre noire veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Bah, ouais. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant, celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Putain. Irréel. Et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'ai crié pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées... Il doit débloquer, lui. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Ah, il doit débloquer, lui. Qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un. Fin de la partie. Ah, oh, c'est une dinguerie, ce... Oh, c'est incroyable, hein, l'histoire, vraiment, waouh. C'est ouf, hein. Bon, les frérots et sœurettes, on va s'arrêter sur cette fabuleuse musique. Comme d'habitude, n'oublie pas, truc casse-couille des youtubeurs. Hein? À liker, commenter, à vous abonner, mettre la petite cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le bonhomme masqué. PDG, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très très vite. Une grosse force à vous. Oh.